que je mette une bonbonne d'air comprimé, puis après je peux tirer. Mais non, moi faut vraiment que je fasse comme les vrais pistolets, tu fais tac. Mais genre t'as pas une... Genre t'as vraiment un truc, faut que tu... Tu sais, en haut comme les vrais pistolets dans les films là. Tchac tchac. Ouais, Pas comme, un truc que les tu revolvers, tu cliques. fais juste peser là, c'est vraiment... Ouais, mais est-ce que moi c'est un 4,5 mm, c'est pour ça. Ouais, mais moi c'est pas un 45, hein. Je sais pas C'est à c'est un partir combien. de... C'est à Ben partir moi de c'est 9... des billes airsoft de base là. C'est des, Ouais, ben... mettons, des blanches, des Moi, bleues. c'est à partir de 5 mm que tu peux le craquer. Parce que mon pistolet, mais il a coûté 200 pièces, là. Fait que je pense que... Et puis bientôt, je pense qu'à ma fête, mon père, il va m'offrir un sniper. Oh, le bâtard! Je vais me cacher dans les arbres, là, parce que j'ai déjà une tenue, là. Je vais tout vous sniper. Regarde, je vais t'envoyer une photo de mon 4,5 mm. Ok. Ok, Caleb. Ok, attends. Caleb, photo. Prendre une photo. C'est belle ma face là, chier, mais. Gars. Attention, on n'est pas seul. On a de la compagnie. Ouais, attends. T'as envoyé. Là, je viens de t'envoyer mon 4,5 mm. Là, le avec gars le m'envoie des chargeur. fusils en Avec le chargeur un peu le gars m'envoie des sorti, fusils en là je vais, message. ouais, avec le chargeur un petit peu sorti du truc, là je t'envoie le gun mais avec la réserve à bonbonne, parce que le fusil il est quand même assez récent. Ok, ça fait pas longtemps que tu l'as. Non non non, ça va faire bientôt 2 ans là, c'est pas long. Bah y est-tu bon ton fusil? Bah tu fais il quoi fait avec mal en hein. fait? Ben, je tire. Une affaire, ça. Ben ouais, mais je suis pas. J'ai pas encore là. Ben, je suis allé une seule fois sur un terrain airsoft. La seule fois, là, man, je jouais. J'ai pas joué. Ben, j'ai joué, mais je suis mort direct. Les kids, ils pouvaient jouer une seule game. J'avais un peu le seum. Ce qui s'est passé, là, c'est que j'ai tiré sur un gars. Il s'est caché. Puis ma bille, il m'a revolé sur le bras. Ça fait mal. Fait que je suis. Oh man, ça claque, hein, t'aurais vu la marque que j'ai. Puis après, il y a un gars derrière qui part, qui est arrivé de nulle part, qui me snappait à couille, là. Mais comment que le monde les forme pour savoir que t'es mort, genre? Ben, ils savent parce que tu dis hit, parce que mon pit, si tu dis hit, pas hit, c'est de la triche, puis après, je pense pas que t'as, ça fait mal en ciboire, fait que je pense que tu vas dire assez vite. Tu vas le sentir, mon pit, là, quand tu vas le sentir, tu vas dire hit. Même si tu portes du blindage, tu vas le sentir. Ça fait mal. Ok, mais genre, y'a du monde qui doit avoir des méchantes armes, pis toi, t'as un arme de BS. Ah ouais, y'en a qui ont des. Y'en a là qui ont des pistolets mitrailleurs. Tu sais, t'as l'arbitre qui dit ok, on peut mettre l'automatique. Puis quand l'arbitre entend gueuler après s'avoir fait tirer par une automatique, là. Oh, mais ça doit tellement faire mal. Tu sais qu'il y en a qui ont des lance-grenades, hein. Tu sais, il y en a qui ont des machine guns aussi. Les lance-grenades, ils mettent 20 billes dans la grenade, ils le mettent dans le lance-grenade, puis ils tirent ça dessus. Je te dis, l'air ça, c'est pas le fun. Écoute le bruit qu'il fait. Oh mais là tu gaspilles pas ton heure. Ok, ça va, t'en as plus dedans. Il y a plus d'heure, ça fait plus un bruit normal. Ah, fait, faut que t'en achètes Ouais, faut que j'en achète. J'ai un peu de seum. Je vais essayer d'aller en acheter le à ma fête. À ma fête, là, ça se peut que je passe comme l'an passé, une partie game paintball. Ah oui? Ouais. Ça te tenterait-tu? T'avais-tu invité hein? beaucoup de monde? Oh, on était 10, man. On faisait des opérations, match à mort par équipe, des amorçages de bombes, flag. C'était stylé, hein. Ok, regarde. Gars, non, mais après, faut que tu m'enverras ton vrai numéro de téléphone par message. Puis je t'ajouterai dans mes affaires. Je vais sûrement en faire un cet été. Sinon, ça va être une game airsoft, ok? D'accord. Oh merde, pourquoi j'ai fait ça?
T'aimes-tu mieux Airsoft ou Paintball? Hein? Attends. Ben le Paintball ça a l'air bien plus stylé en vrai. Oh ben Paintball ça fait moins mal. C'est plus stylé. Bon, je viens de commencer. Mais écoute, mène mon pistolet avec le... Tu sais qu'il y en a qui achètent des pistolets mitrailleurs avec leur sniper pour éviter de se faire laser, là. Mais il y en a qui doivent avoir full d'armes. Il y en a qui doivent avoir deux armes, man. Ils prennent ouais, un arme de close range. Il y en a qui ont des pompes, genre. Ouais, il y en a qui ont des pompes. Là-dedans, là, il y a 8 balles. Puis les billes là dans les pompes là, ils sont pas 0,20 mg, hein. Ils sont lourdes là, ils sont 1 mg, man. Chiche! Merci bien. Ça pince là. Non, mon blitz! Ça te tente dessus? Que je te tire un coup de pompe dessus? Il y a une optique. Va passer mon tour. Il y en a qui meurent à cause de ça, là. Non, pas la vraie vie. Ben oui, il y en a déjà qui sont morts, là. Oh, mais il y avait bon, moins, pas de... Des... De... Oh, ben écoute, des fois, les protections, là, ça sert à rien. Quand les baies sont plus de 1 mg, même les protections, ils servent à rien. Hein. Mais les... ça existe plus des baies de 1 mg. Ben, ça existe... Mais pas au-dessus, parce que sinon c'est ben trop puissant. Ouais, mais des balles lourdes, ça va pas nécessairement loin. Ben non, mais ça dépend du calibre. Mais admettons si t'as, si t'as une balle vraiment lourde, là, elle va aller loin parce que... Y a, vu qu'elle est lourde, elle prend de la masse. Ils vont ouais, mais ils vont toutes... Ah, oh, let's go pour Yana. Ils vont toutes aller à la même distance. Mais ce qu'ils vont pas... C'est la seule différence, c'est les dégâts. Ouais. Faut être obligé d'être d'accord. Oh, mais il y avait plus de batterie, il est mort, je l'ai mis sa charge. Hein? Ok. Ben oui, comme tu veux. T'es-tu des... Tu sais qu'il y en a qui ont des P90. Il y en a là qui ont des grosses mitraillettes. Ils ont des vraies balles. Oui, attends, pas mettent deux des... Ils mettent des billes airsoft dedans. There's a guy here. Headshot. Il y en a qui mettent des billes airsoft. Hein. Les révol... En tout cas, moi je pense mieux que t'aimerais faire une partie paintball, hein. Mais paintball, ça a l'air cool. Ouais, mais je te jure, si on irait avec Gannett, tout ça, là, il chialerait, hein, avec Airsoft. Tu m'as jamais vu sur un terrain Airsoft, là, mais on dirait que ma vie en dépend, même. Non, mais c'est vrai, hein, t'as pas envie de te faire toucher, hein. J'ai dit ça, je dis rien, là, mais t'as pas du tout envie, hein. Ah, j'ai quand même raison à vous, là. Eh oui, t'as raison. Si tu veux te... Puis en plus, là, tu peux acheter des protections pour les couilles, là, mais là, ce que ça coûte, là, c'est wow. Je suis en train de jouer Yana. Je suis en train de faire le jeu Yana. Ah quoi, ça va? Oui, c'est juste qu'on se fait des calls. Ce jeu-là, en fait, c'est comme Fortnite. Ouais. Bah, le jeu que t'es en train de jouer. Apex? Ouais. Quoi? T'as-tu vu ta reaction, man? Ah non, je reste jamais de moi. Ouais, je vais te croire. Tantôt, là, papa, allez, non, je vais juste savoir si t'es parti.
Mais tantôt j'ai joué là et j'ai fait 19 kills puis 4000 de dégâts. Mais si tu joues rapide, tu comprendrais. Mais 4000 de dégâts, c'est comme faire 30 kills sur une game de classique. Let's go, un kill avec Iana. Je viens de faire le carnage. Ben oui. Pourquoi ils ont fait ça? J'arrive pour rentrer sur site, le gars il a fait une trappe. J'ai un peu le seum là, mais je suis con. Watch out, watch out, watch out! There's a caustic! C'est quoi ça? Ah! Ah, j'ai fait le saut! Le gars il regarde encore Benio en 2021. Ben je regardais les opérateurs qu'il faut pas jouer en 2020, il a pas nommé Yana. J'ai fait de la merde. Non non non! Je sais pas ce qui s'est passé. Le gars il est. Le gars il s'apprête à lancer son ace, il se fait tirer dessus, il continue à le lancer. Lui ce qu'il fait, c'est qu'il retourne là, il se met d'eau, il relance un ace puis il se fait descendre. What? Le... Puis en plus on est en classé. J'ai comme le seum. Hey, c'est pas que tu peux jouer avec moi sur Rainbow, je te l'achète ton truc. Hein. Ben. Pour pouvoir jouer avec moi. Oh ben, je pense pas ton argent. Hein. Et là, je suis en train de jouer film que j'ai un peu. Le gars, il dit tout que ce qu'il est fait, il me manque. Mais notre corps c'est vraiment dégueu hein. What? Avoue que notre corps c'est comme... Moi je les haïs. Ben pas mal moi aussi. Guénette là, il a pas de sens le gars. Ouais, moi je trouve que c'est un ça, je sais pas, il y a 2 ans. Le gars il a retour. Puis le cours de maths, c'est sur le fun. Oh ouais man, je pense que j'ai réussi à finir mon année de mémoire, j'ai réussi à finir l'examen pratique. Hey, ça, ça devient chiant. Ça, c'est un bug là que j'aime pas. Puis pourtant, tout le monde là, bah nous, ces vidéos, tout ça, c'est un bug de Rainbow sur PS que je déteste. Hein. Lequel? Quand tu vises là, tu sais, quand tu vises pas, t'as un petit point blanc entre tes trucs là. Puis quand tu vises, t'as le point blanc, fait que c'est un peu une déformation faciale. Ça a de la merde, hein. Ton chat, il est donc bien excité. Je le sais, il a miaulé tout à 5 jours. Tabarnache, man, j'en ai gaspillé des balles pour tuer Valky. Je joue oh pompe, man. Demain, pis... pour aller à l'école, merde. Je joue pompe, man, puis j'ai tiré 11 ligne. Balles. Ouais, je trouve que oui. Go, go, go. Ah, mais on est sur site, c'est cool. Écoute, je commence à en avoir mon cul. Au, 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 au. Oh, j'ai pris de la vie, j'ai pris de la vie, j'ai pris de la vie. Je suis sans vie, wesh. Le gosse qui m'a mis, là, il était pas gêné. Hein. Puis le problème, c'est qu'on est en classe et... Ferme ta gueule. Oh oui, je suis seul. Non, mais Apex, ça prend pas tant de gig, hein. Je pense que c'est genre 40, quelque chose de même. Mais sinon, on désinstalle pas un jeu. Non, mon allié a tiré une grenade, j'avais 5 PV, puis il m'a mis à terre. Des jeux que tu joues pas, genre des jeux d'hockey, de baseball. Ouais, NHL 21. Mon coéquipier m'a mis à terre, il a tiré une grenade, j'avais 5 HP. Bon, moi, je trouve ça cool parce que je vais en avoir 20. Go, revis!
Hey, tu ça veut dire quoi, remettre de la vie? Attends, on peut se remettre de la vie? Ben là, trop tard, là. Les gars, ils nous ont revis, on a perdu. Okay. Oh, ta grand-mère. Mais qui c'est qui peut revivre? Tu peux mettre de la vie? Non, mais quand t'es à terre, Finca tout seul. Ok. Ouais, mais alors, je savais tout d'un pas, moi je le savais pas avant. C'est quelqu'un qui oh m'a. Oh là dit. Là. Ce jeune homme de 30 ans vient d'arriver aux urgences dans un état inquiétant. Au médecin, Waylon explique que sa tête est sur le point d'exploser. D'ailleurs, au fil des minutes, les choses empirent. Ses proches sont totalement désemparés. C'est quoi qui a le gosse à la tête? Comment est-ce que sa tête a avec les yeux? Il se fait dévorer le cerveau. Hein? Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Alors, c'est arrivé tellement vite. Nous avions vraiment très très peur. Waylon souffre le martyr. Le chef de service décide aussitôt de pratiquer un scanner. 90 minutes plus tard, le verdict tombe et les médecins n'en croient pas leurs yeux. Quelque chose est en train de dévorer le cerveau de Waylon. Parc. Trois ces taches blanches un peu diffuses. Ce sont des morceaux entiers qui ont disparu. Détruit par ce mal inconnu. Il y a un truc dans le cerveau du gars qui est en train de manger. Dans le truc, là, ça le monte, là, mais le gars, il est en train de se faire dévorer le cerveau. À vous, tu me l'envoies. Les urgentistes restent sans voix et impuissants. Ah, oh, ben, je t'envoie, tu iras checker sur TikTok, il y a toute la chaîne. Quelle est pocket. Et moi, j'ai pas TikTok. Chance de survie. Ses chances de survie sont minces. I mean, à la partie 2, il montre l'état de son cerveau, là. Puis le milieu, là, il a plus rien. Mais est-ce qu'il est vivant? Il doit avoir perdu de la mémoire, puis tout. Ah ouais, le gars, il dit qu'il souffle le martyr. Pauvre gars, hey, j'imagine pas! Ouais, il doit le souffrir en crise, le martyr. Penses-tu qu'il souffle le martyr? Martyr, c'est quoi, avoir vraiment mal? Ouais. C'est souffrir, là. Des problèmes de tête, quoi. C'est vraiment... Yamen, ouais. On est en 5v3, là. On dirait que les gars, ils sont vendus avec toi juste pour avoir... pour que tu leur achètes... juste quand tu leur achètes des trucs. Ouais, ben... je sais. Mais tu sais, moi je leur en donne des trucs des fois, mais tu sais, rarement. Parce que le tout est ouf. D'où? Le gars, je le traverse pas, mais lui, il me traverse tranquille comme ça. Je vous présente votre champion. Personne d'autre n'a pas. Je vendrai un over pour un bon ramen. Quoi? Il m'a mis une tête tranquille de même dans son... Les médecins l'ont emmené faire un scanner. Ok, parce que le gars, il a... hey, ça devait faire mal. T'imagines, ouais. Tu sens de quoi dans ton cerveau? En fait, je pense que ça doit tellement être ouais. Une sensation... En vrai, je pense que c'est comme... Ah, c'est... Tu imagines, tu te réveilles à m'amener là, puis ça te fait ça. Même le gars, il a été transféré dans le meilleur hôpital du monde. Hey. Laisse toute une famille derrière lui, car malgré son jeune âge, il avait déjà 5 enfants. Sa fille n'a pas compris comment son père a pu mourir absolument. Ma mère l'a emmené à l'hôpital car nous avions école le lendemain. Quand j'ai vu mon fils, il était vraiment, vraiment dans un état pitoyable. Il ne pouvait pas survivre. Il est mort à 16h25. Ok, ils font des témoignages. Ouais, le gars, trois quarts du cerveau vient de lui en manger. C'était par quoi, une bébé? A-t-il pu mourir en quelques heures seulement? Ouais. Quelle est donc cette chose terrible? Ils sont en train d'en parler. Sans lui laisser aucune chance. Dès le lendemain, la famille de Waylon demande une autopsie. Oh, une autopsie. Ça veut dire qu'il est mort, ça, hein? Mais oui, c'est impossible. Déclencher une enquête. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'ils vont découvrir l'incroyable vérité sur cette affaire. Pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer, les enquêteurs vont tout d'abord retracer le fil des événements, les derniers jours précédant la mort de Waylon.
Les premiers symptômes ont commencé 5 jours avant son arrivée aux urgences. Le jeune homme se mouche fréquemment et se plaint de violents... Quand j'ai ton père et sa petite fille en sont les témoins. Je suis rendu à la partie 5 sur 12. Ok. La date, le gars, il est mort à la partie 3. Ça a pas été long, hein? Allô, ouais. Mais il te manque juste un bout de cerveau puis tu meurs. Hein. T'es obligé d'avoir ça. À la partie 6, ils ont dit que quelques semaines plus tard. Fait que je pense que ça va être une partie plus tard, là. Oh, mais ils ont pas fini les parties, genre. Ben oui, ils ont fini, c'est juste que ils ont pas eu le temps totalement, là. Ah, j'ai pris Octane, je sais pas ce que ça va donner. Plus tu commences à Apex, plus tu vas trouver sa place. Oh, on est en 4v5 classé. Si t'installes Apex, j'installe Rainbow. Et je m'achète. Ben, le... t'as pas. Je m'achète le. Le truc. Ouais, ben, qui est là. Ben, par exemple, par exemple, t'arrêtes de jouer à des jeux, ça va prendre la place. Oh, parce que je sais pas du tout comment jouer à Apex. Ça a l'air d'être rageant. Non, c'est pas rageant. C'est pas rageant. Ça a l'air surtout... surtout tough. Non, tu comprends, c'est pas toi. Non, mais après, je t'entends genre 90% du temps pour être content, là. Moi, je pense que je viens de me chier dessus. Oh, le caca, le poupou. Let's go, 2v3, j'arrive. Ah, mon shoot est carré, là. Nouveau leader de frag. J'ai même pas eu besoin d'aide. Ah, Will, ça sent le caca, le poupou. Ouais. Let's go! Hey, on était en 2v3, moi je débarque de nulle part, 2v2, 2v1. T'es déjà pété. Ah ouais, man. Là, ils sont en train de nous péter. Oh! L'autre, il a plus de vie. Let's go! Hey, man, je les ai pétés avec Jagger, là. Ah, man, j'étais en 1v3, je les ai pétés, c'est bizarre, hein. Ah oui? D'aller aux urgences et il m'a répondu que si ça ne s'arrangeait pas, il irait. 1v3, let's go. Il s'enfermait dans sa chambre à clé car il ne voulait pas nous contaminer. Donc à ce moment-là, je ne pouvais pas trop le parler. Paralysé par ce mal qui le rend fou, Waylon s'isole dans sa chambre et ne veut voir absolument personne. Et ses douleurs deviennent insupportables. Alors il décide d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Les médecins diagnostiquent une méningite virale et lui prescrivent un traitement. Ils lui demandent de rentrer chez lui. Ils l'ont renvoyé à la maison et lui ont donné des médicaments pour traiter sa soi-disant méningite virale. Mais en fait, le gars, je pense qu'il a dû consommer de la drogue, je sais pas quoi, qu'il avait des... Hey, là, ils étaient en train de dire que ses traitements étaient inefficaces. Là, on voyait une vidéo de lui, là. Hey, le gars, il poignait ses médicaments d'un coup sec, là. Il les avalait tous. Ouais, man, il y avait 12 médicaments, un prescrit par heure. Non, un prescrit aux 12 heures. Puis le gars, on voyait prendre un par un, là. Ah, oh, il devait pas bien filer. Hey, ça devait être mort dégueulasse. Oh non, mais le gars, je suis sûr, là, la sensation que ça faisait, là. Je pense que ça faisait comme si ça avait une vis dans le cerveau qui grongeait, là. Ah. Oh, j'imagine juste pas le gars. Non, c'était... Ben, écoute, je le sais même pas, là, ils vont le dire à la fin. Mais t'as mieux regardé toutes les ports pour... Ben, je suis rendu qu'à port... Laisse-moi le temps. Je suis rendu à la port 6 sur 12 ou 11. Est-ce qu'il les a toutes ou... Ben, écoute, je le sais même pas, là, mais je pense que 12 ports. Ah! Ah! Vous
chat se regarde. Et quand ils sont revenus, ils m'ont dit qu'ils étaient désolés et qu'il n'y avait plus aucun espoir. Mais John ne veut pas abandonner son fils. En colère contre les médecins, il insiste pour que Willard soit transféré par hélicoptère à une heure de là dans un autre hôpital. Mais une fois arrivé sur place, le jeune homme décède sans que personne ne puisse rien faire. Let's go, un kill. Willard laisse toute une famille derrière lui, car malgré son jeune âge, il avait déjà 5 enfants. Sa fille n'a pas compris comment son père a pu mourir à seulement 30 ans. On dormait le soir où ma mère l'a emmené à l'hôpital car nous avions école le lendemain. Et je ne savais pas trop ce qu'il se passait. Non mais en vrai les personnes qui s'étaient mangées c'est comme tabarnak, je dormais pendant que mon père il crève. Et t'imagines-tu toi tu dors le lendemain ton père est décédé? Non. On s'avère totalement inefficace. Partie 6. Justement, Willon n'a jamais eu la moindre méningite. Il décédera quelques jours plus tard, le cerveau dévoré par un mal inconnu des médecins. Pour tenter de trouver une explication, les enquêteurs vont s'intéresser dès lors aux antécédents du jeune père de famille. Derrière une vie apparemment paisible, cachait-il un problème de santé ? Mon fils était un homme bien. Il était adorable. Et il travaillait très dur. C'était un bon père, un bon fils aussi, et un bon chrétien. Originaire de Lougouti, dans cet état de l'Indiana, agricole et conservateur, Willon vivait ici dans cette charmante maison, avec sa fiancée Renée et leurs 5 enfants. Une vie saine et heureuse. Mécanicien depuis de nombreuses années, son travail était parfois difficile, mais en aucun cas nuisible pour sa santé. Le reste du temps, il aimait chasser et pêcher. Un homme toujours très actif. Mais ce traitement s'avère tout. Il a toujours travaillé très dur dans la vie. Mais ça fait juste deux des affaires de sa vie. Il a été maçon. Oh, j'ai une vis. Par Christophe. Mais il était un gros PS. Et encore moins de graves opérations. Okay. Mis à part quelques chutes sans grande importance quand il était enfant. Attends, je vais l'inviter. Attends, je suis en live, moi. Oh oui. Quand il s'est fracturé un doigt pendant un match de foot. Il avait des maux de tête parfois, mais rien de grave. Il était plutôt en bonne santé, il n'était jamais vraiment tombé malade. Allô. Sa fille va décrire un hôpital complet et sans histoire. Oh ouais, désolé Caleb, je t'envoie au port, ok? Eh hey, mais non. Quittez pas. Mais je sais pas. Je sais pas. Ah, je t'envoie tout, ok, genre. Non, mais Dusty. Non. Tu veux que je quitte? Ok. Non mais Boutin crée un chat vocal. Bien joué, compat. Je peux pas croire que je reste planté là. T'as de la chance que je t'aime bien. Il a toujours travaillé. J'en ai mis un KO. Et au départ. Ben c'est ça que je dis. Ouais. Hey Christo, j'ai acheté tous les derniers persos. Allez, on y va. Oh, tabarnak. Bon les gars, vous quittez. Oh thanks. T'es resté longtemps. Eh mais vous en avez déjà. Mais vous revenez dessus après ou? Est-ce que vous allez revenir après?
Why would I feel like doing it in the middle is like injustice? Wait. Ben l'autre il joue sur PS, oh hein, on va se faire un gros PS. What? Ben ça change rien. Holy. Oh puis vous, mais vous êtes obligé de jouer avec lui. Tu fais quoi là? Il était différent. Un blé très drôle. Non mais. Ok. C'est de la merde, frère. Je vais être rejet. Il nous disait que ce n'était pas un héros. Mais je veux pas être rejet, les mecs. Il a travaillé très dur dans la vie. Revenez, c'est bon. Il a l'énergie à dépenser. Ouais, je regarde. Je suis rendu à port 8. Non mais tu reviendras de ce s'il te plaît, je m'en bats tout seul. Ouais, je reviendrai quand ils auront quitté. Bye Dusty, je t'aime. Bye, moi aussi. Mais pas en amour, hein, t'inquiète. En ami, là. Oh oui. Ok, Boutin écrit le groupe, là. Oh, ok. Mais pourquoi on fait pas un groupe? Tabarnak, ça serait bien moins compliqué. Me right, baby. I'll give you everything I lost. Me. Quand elles sont fortes et qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre.
savais que ça finirait comme... Je savais que ça se finirait comme ça. La fin a fini, c'est le moment. Allons explorer dans cette direction. Ok. Il y a peut-être quelque chose par là-bas. Ouais, ok. Faut trouver des matériaux. Nouvelle cible. Je suis sous le feu. Allez, je prends pour cible. On peut tirer dessus. Je charge. Charge mes boucliers. Charge mes boucliers. Oh my god, no, no, no. This guy is not my teammate. Nah, this Octane's not my teammate. No, this acting is not my thing. Bro, this guy is not my teammate, bro. Je me fais tirer. Oh, je suis à
Je recharge. Des méchants, au boulot! Ça fait mal, mon chou. Thank you.
Oh. Je vous présente votre champion. La violence pour la science. Oh, oh ça fait du bien. Wow. Non mais j'ai fini, t'inquiète, j'étais dans ma chambre, là, je suis descendu. Oh si. Ah en plus j'étais en live, j'espère qu'on entendra rien. Je manœuvre dans cette zone. Ben oui, mais tu viens de te. Ben non, mais hey, j'étais en haut puis ma console est en bas. Je pense pas qu'on entend. Oh, oh t'as pas gueulé partout là? Non, non, juste à. Ah oh, c'est quand que je jouis, moi ça de plus en plus là, ça commence à. Ouh. Ça commence à faire beaucoup? Non, je pense que ça commence à. Ça a duré longtemps. Oh. Ouais, au début, ça dure jamais longtemps. Puis après, au fur des jours, quand tu le quoi? Fais, plus, ça dure plus longtemps. Il y a des munitions lourdes. Oh, ben, parce que je l'avais dit dans un groupe, on est en jeu. Arc. Oh, invite-le dans le groupe, là. Caleb, t'en fais pas ce que tu viens de reproduire là. Hein? Tu ne te rec. Non mais attends, c'est juste que je suis encore Je suis encore 15 cm. Hein. Wow! Wow! Ah oh, ben. Créez-le le groupe! Créez-le le groupe! Non mais créez le groupe! Fait que lui il crée le groupe! Ben c'est ça, c'est Justin qui crée le groupe. Non, Justin. En tout cas... J'ai envie d'acheter un skin Blitz à 960 crédits exercice. Il est trop stylé le skin. Il est blanc et noir. Est-ce que ça fait du bien? Aïe, aïe, tu vas te calmer, hein. T'étais sur quel P? C'est quoi le nom? Baby Nichols. Wow. T'en gardes des bébés. Mais non, mais c'est... Et genre adolescente, là. Ah! Mais non, mais elle doit avoir 20 ans. Ok, ça a plus de sens. Moi aussi, j'aime ça quand c'est jeune, mais... Quand c'est trop, là... Oh, oh, oh. Attends, je bug! Je bug! Attends! Tabarnak! Excusez-moi. Oui, mais attends, je suis en fight. Puis je suis à chier. Je viens de sauver. Tu vas éviter. J'ai tué un invite. Si j'ai pas eu d'invite, fuck off.
Suivez-moi si vous voulez gagner. Les ailes ne sont pas qu'un accessoire, c'est mon héritage. Le terrain, ça me connaît. J'ai pas volé mes galons. Voler, combattre, gagner. Je vous présente votre champion. Cours vite, je frappe vite, je gagne vite. Atterrissons ici. Votre attention, premier frag. Premier frag. Nouveau leader de frag désigné. Nouveau leader de frag. Manche de lien. Début du compte à rebours de l'anneau. L'anneau suivant est éloigné. Chargeur Laura grandit par ici. Niveau 2. J'en aurais bien besoin. Si on allait dans ce secteur, il y a une optique ici. Courte portée. Il y a une optique ici. Courte portée. Il y a une optique ici. Moyenne portée. Champion éliminé. Champ. Culasse pour fusil à pompe par ici. Niveau 2. Allez, restez, vous êtes pas capable de m'inviter. Les ennemis sont déjà venus ici. Mais toi, t'es dans le groupe. Hein? Par des terreaux. Tabarnak. Bon ben les gars, tu te réessayer. Tu te continues à jouer en équipe le L'anneau se referme dans une minute et il n'est pas à côté. On pourrait avancer jusqu'à ce secteur-là. Il y a un accessoire en place ici. Tempo. Alerte 5, Valkyrie en attente, paré au décollage. La moitié des escouades a été abattue. Je reprends un peu d'altitude. On se positionne ici. Alerte. Déplacement de l'anneau en cours. Ça y est, l'anneau roule. Paré au décollage. Si vous voyagez avec un enfant, c'est un sport dangereux. Ça va pas ou quoi?
Pack de soutien en cours de livraison. Pack de soutien en approche. Un petit conseil, essayez pas de l'intercepter à Mach 1. The kill leader get actually 8 kills. That's a raid like me. Change. It's gonna be Auron. Attention, frappe aérienne en approche. Étoile à arc, lancée. J'ouvre le feu. Oui, mais le chat du jeu marche pas, faut que ça au moins y aille bien. De loot. Voleur de loot. Je recharge mes boucliers. Et si on allait par ici? Chargeur lourd agrandi, par ici! Cible détectée! Come closer, I give you all my love if you treat me right, baby. Ben. Toi, ça va, Christian? Moi, ça va pas très bien, vous ne m'avez pas invité au groupe. Je vous présente votre champion. Faut faire gaffe, histoire de pas gaffer. Activez-vous, on y va.
par ici. Allons voir par là. Compte sur moi, Herman. Ça tienne que pourra. Non, 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 non. Je suis entraîné toute la journée. Il est grand temps qu'on se mette sur la tronche. J'ai tout vu. Plus rien ne me surprend. Alors, on carbure à l'octane ? Je vous présente votre champion. Préparez-vous à un feu d'artifice. Mes boucliers. Je donne du jus à mes boucliers. Je recharge. Il faut que je recharge mes boucliers. J'en ai eu un. Mauvaise nouvelle. Ennemi en vue, juste devant moi. Allez, viens.
toi là, arc lancé. On les a tous désingués. Bien joué, copain. Oh, je suis à terre. Ah, putain. Don't forget you can send us your clips using the form link in the description below. Be sure to subscribe and turn on notifications for more top Apex Plays videos. This has been Isodeptic, and I'll catch you next time. Run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I'm blessed for falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone with the... Changement pour dire que le déconfinement s'accélère. Bon, nous, on n'a pas de couvre-visage présentement. Jennifer qui est derrière la caméra a un couvre-visage. Tous ceux qui sont dans la station ont un couvre-visage. Ça va changer. Ça va bientôt changer. Ouais. Parce que ça fait déjà 2 mois que tous les travailleurs du Québec doivent porter le masque médical lorsqu'ils sont en milieu de travail. Et la CNESST l'avait exigé pour répondre à la crainte des variants. Là, ce matin, on a appris que la commission est pour la nature. Ça m'arrive de mentir. Donc, actuellement, nos deux régions, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, sont en zone orange. Premier arrivé à la zone d'atterrissage. C'est obligatoire. Et on recommande la distanciation physique et la barrière physique lorsque c'est possible. La semaine prochaine, on devrait basculer en zone jaune et à ce moment-là, on aura un choix. Soit le port du masque, soit la distanciation, soit la barrière physique. Donc, pour les employés de bureau, ce que ça veut dire, c'est s'il y a des collègues qui sont à plus de 2 mètres de votre poste de travail, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir retirer le fameux masque. On a parlé de vaccination des adolescents. Pour l'instant, c'est Pfizer. Atterrissons ici. Avec plusieurs. J'adore. Mira, vous avez vu?
Octane is the better scout character ever. Like you can have better than Octane. Octane's really. Je dépasse pas les limites, je les fracasse. Ne me sous-estimez pas, ou vous en paierez le prix. Mon nom est Race, et on a un travail à terminer. Voici votre champion. De savoir qui est bon. Tout ce qui compte, c'est qui est le meilleur. Atterrissons ici. Faut faire gaffe. Atterrissons ici. Ça m'a l'air sympa par là. Valkyrie en poste, prête à tout. Ouais, vraiment tout. Suivez le mouvement ou vous repartirez les pieds devant. Hé, on y va ou quoi? Voici votre champion. La douleur, la mort, rien ne m'arrête. Je suis le leader de saut, ce qui semble logique.
Let's drop Fragon. Le ciel m'appartient. Level 66? Level 65? J'adore ce moment! Wouh, allez! Bro, fuck! What the fuck is that dude doing? A fucking nigga, what the fuck? Avec le recul. Ah ouais, tiens, je m'en souviens. Je ne connais pas la peur. Pressez la détente et admirez la descente. Voici votre champion. C'est le moment, je suis le leader de saut. Avec... Adienne que toi. Je recharge.
Il faut que je recharge mes boucliers. Allons dans sa direction. Je me soigne. Je me barre, je m'en repérerai. Il y a une cible par là. Ennemi repéré. Bien reçu. La cible est devant moi. J'ouvre le feu. Je trouve que ça manque de gens comme moi ici. Une petite seconde, je recharge mes boucliers. Il y a une cible par là. Je lance une grenade thermique. Je pose un portail. Je redonne du jus à mes boucliers. Attention, ça va faire mal. Portail classé. Attention, frappe aérienne en approche. J'ai mis KO un ennemi. Cible en vue, juste là. On se déplace par ici. Y'a peut-être un truc par là. Allons dans cette direction. Je me sers d'un kit Phoenix. Il me faut des munitions lourdes. Je recharge mes boucliers. My life.
n'est pas vraiment une science exacte. Assez rigolé. Laissez faire les professionnels. Il nous suffit de faire les bons choix pour gagner. Je vous présente votre champion. Un conseil ? Restez hors de mon chemin. C'est moi le leader de ce groupe. Tu transpires ? C'est carrément les chutes du Niagara. Oh, c'est la honte. Tu transpires ? C'est carrément les chutes du Niagara. Oh, c'est la honte. Et un peu crade. On y va. Tenez-vous prêts. Première victime. Ça sent la victoire. Notre seule option, c'est la victoire. Les jambes en acier, c'est le pied. Ils regarderont à gauche et à droite, mais jamais en l'air. Tant pis pour eux. Voici votre champion. Il va y avoir des cœurs brisés. Oh, mais qu'un truc passé.
Ah non, c'est une autre chose. Je veux le meilleur pour mes amis. Je relève le défi. On charge, on tire et on recommence. C'est pas compliqué. Je vous présente votre champion. Vous allez comprendre le sens de l'expression « beauté fatale ». Atterrissons ici. Ah, you're the types of teammate not really good at the game. Bro, I'm playing Pop Fighters, come on, I'm trolling. I got 4k on every character, so. You don't even get a 4k, so. Yeah, I'm gonna get fucked, but I don't get him. Yeah. Can you stop? Can you? Yeah. I don't need you. You're bad. What is Fortnite? Get fucked. Which is new, he wouldn't have done that last year, right? We used to live about 5 minutes from here, and we had a pump track that my husband built. We're quickly outgrowing everything, so we'll build a ramp that takes a few months to build, and then very quickly it's too small. So we're kind of up against that right now. I think Luke really looks up to him. I keep trying to tell him that, you know, work together and you guys will be able to, you know, go out and do anything together. You know, when we started it, it was just for fun. Sometimes it gets more serious than that, and I'm always there to try to help him. J'espère juste que j'aurai pas affronté ce robot qui sourit. Non, je plaisante, je l'aime bien. Je vous aime tous. Une chose est certaine, quelqu'un mourra.
Je vous présente votre champion. Vous voulez un bon conseil ? Tire en premier. Leader de saut au rapport. Heureusement qu'on n'a pas le vertige. Le temps que tu me vois arriver, je serai parti. Et toi aussi. Oh, okay, I miss. Sorry, bro. I don't even know I get my brother to choose Mirage. Okay. Mirage. Bien méchant ce fameux champion. Salut! Ouais, mon père il est parti en vélo, il va sûrement revenir bientôt. Il est parti avec son pull. Ouais, il est parti pour le sac. Ah, bon. Qu'est-ce que tu faisais pas?
Ouais, c'était le fun. Ah, j'ai vraiment aimé. Mais non, hey, ça a passé pas trop vite. Moi, j'aurais aimé ça d'avoir au moins 3 nuits. 2 nuits, c'est pas long, là. Mais en tout cas, les activités, c'était le fun. Puis la pêche était bonne aussi. La pêche était bonne, les activités aussi. C'est moi qui ai poigné plus de trucs. Ouais, j'ai poigné 6-7. Hein. 6-7. Environ. J'ai poigné au moins 6. Vous êtes soit avec moi, soit contre moi. Ou avec et contre moi à la fois. C'est déjà arrivé. La veille, Si jamais je vous laisse tomber, c'est parce que j'aime pas me traîner des poids. Si on discutait 5 minutes. On est allé au chalet. Parce qu'on est allé dans des rivières, dans des fosses là. Et on a pas acheté la truite là-dedans. Je vous présente votre champion. J'en ai pris 3, mais j'en ai échappé. J'en ai échappé une, fait que. Il y a un taxi qui t'en restait 2. Ouais, puis papa, il en avait pogné une. Ok. Oh, tu voudrais que je te console avec un baiser? Ouais. Tu rêves. La frontière entre Et la papa, là, elle devait au moins 12 sur les trous, c'était grosse. Ah, ben, elle était grande, non? Ah, oui, elle était grosse. Ah oui, il était de Dieu, non? Ah oui, oh, il était vraiment gros, oui. Ah. Hein? Oui, moi je mange la pute, c'est que hier, j'avais pas tant de faim, il est pas loin du tout. Ouais, c'est pas grave. Hein? Oui, oui, j'adore ça. Mais j'aime pas le saumon, par exemple. Mais j'aime ça, mais bon, c'est quand même un peu, on a mangé trop. Va à la hauteur, je suis pas dans la cour des grandes. Quand tu manges pas un truc, des fois tu viens que tu t'écœures. Okay. Ouais, je me suis écœuré un peu. On est tous dans la cour des grandes. Hein? La canard! Et je prends cher! Avions intéressés? Je balance à l'heure! Eh oui, ils sont bonnes. Ouais. Mais moi j'aime mieux au chocolat. Ouais. Non, il est resté dur. Il était vrai. Oh, il était dur. Oh, il était bon. Hein, gâteau? Gâteau de fête à ton père? Ah oh, oui, on l'a tout mangé en 3 jours. Ah ouais. Mais il a resté. Non. Ben, je pense que oui. Non, pas du tout. T'en pas? Non. Bon. T'as pas de mémoire? Non, mais. Je me rappelle plus, il ressemblait de quoi déjà? Ah, bon. Ben, je sais qu'il y avait une partie au Pacan en haut, puis en bas au chocolat. Pour me dire comme du glaçage. La femme la plus riche a toujours le dernier mot. Non. Je suis prêt. J'espère que vous aussi. Non, moi je suis pas sûr. Il n'y a pas grand chose qui me fait peur. Mais perdre, ça craint. Non, c'est. Oh, papa il roule à 5. Papa il roule à 60, puis l'autre aussi, pas plus ça. Voici votre champion. Ouais, mais vu que c'est un petit chemin, je veux pas, il voulait trop vite pour un chemin direct de moi. Je passe leader de saut, ben, suivez-moi. Atterrissons ici. Mon amour, Boone. Ben oui, je suis là. Nous nous retrouverons dans les rues du Vatranda. Hein? On aurait dit qu'il y avait un bandade au saut. Hein? Allez, on descend. Attends. Oh! Non? Ça se. Ah, bah. En tout cas, toi, y a-t-il du nouveau? Hein? Y a-t-il du nouveau, toi? Du nouveau, non, je veux pas grand-chose, là. Ouais, mais. Après les tours, hein, y a pas grand-chose, non? Ouais, c'est...
ouais, c'est vraiment long. J'espère parce que ça finit pas. Ouais, ça serait également donné, hein. Ah, qu'est-ce que tu veux? Bon, fait que je vais te laisser comme ça. Ouais. Si tout est beau, t'as pas d'autre chose à me dire, là? Non, non. Non? Bon, fait que là, t'es rendu dans la garçon, tu restes seul à la maison. Ok, bye bye! Bye, mon souris. Je vois. Est-ce tu... Mais est-ce que tu veux que j'aille dans mon pas de te rappeler? Ah, oh, ben non, ça y est, parce que. C'est quoi, t'as fait avec le téléphone encore? C'est clair et go! Hein? Attends, je vais te mettre dans mon oreille. Moi, je faisais j'étais sur ma libre, fait que. Je peux que. Je suis votre pire cauchemar. Non, je devais être couché. On est dans le même bateau, l'oubliez pas. Oh non, je vais pas le quitter. Mais je voyais que tu te rappelles, j'en sais pas. Ouais, mais je voyais quand même les dire, là. Mais. Ouais, voici l'autre champion. Une mort rapide est tellement. ennuyante. Ah, moi j'ai déjà. Bah, j'ai déjà commencé, je crois que le club, je suis allé 5 fois. Hein. Non, sans le club. Avec papa. C'est l'heure de mourir. Ouais. Ben, dans les mêmes sentiers qu'on va avec le club. Ah, ok. Ben, pas les mêmes. Ben, le papa, son plat, les sentiers de champ et tout. Ouais. Moi, j'aime mieux les vrais, là, qui sont. Ouais. Ben, oui. Ben, c'est Céleste. Bonne soirée. Bye, bonne soirée. Salut. Tu sais à quoi je ressemble. Viens me trouver. Je vous présente votre champion. On pourrait atterrir par ici. Compris. Je suggère cette zone d'atterrissage. No way, we go there. Drop here. Right now, nigga. Fuck it. Yo. Yo, this is nice. Yo. Want it? Pathfinder is really low on the embodiment. He's 10 HP. Exactly, 10 HP. It's gonna be long to you. Mes boucliers.
La science est implacable, tout comme moi. Mais pas les gens. C'est pour ça que je suis là. C'est moi le leader de show aujourd'hui. Préparez-vous à un feu. Il faut que je recharge mes boucliers. Chef, tu mettras juste un petit peu moins de crème pour moi, s'il te plaît. Putain, j'en ai...
30 comme ça, c'est incroyable. Même parfois, il te fait craquer les veuches. Quoi? C'est pas un truc de ouf? Mr. Beast just donated and said if you win next game, me and Simon will donate $70,000. If I win this game of Fortnite, I win $70,000. If I lose, I'll probably never have my parents speak to me again. Six people, others between me and $7,000. Votre seule option, c'est la victoire. Oh my god, he's not the last one! Oh my god! Ça m'a envoyé du lourd! Oh my god, guys, that's the school! Camarade Selaï, la fin est écrite. Va sans crainte. Je vous présente votre champion. C'est moi le leader de Seoul aujourd'hui. Atterrissons ici. On y va, tenez-vous. Advienne que pourra. Faut que je recharge mes boucliers. Je recharge. On est tous dans l'anneau. C'est bon signe. Il y a un guignol qui m'arrose. Ennemi à terre. Ah, merde. Ennemi, les gars. Nous sommes rien. Prenez les frappes. Il reste que nous. Je recharge mes boucliers. Ennemi en vue juste là. Proximité.
9 janvier 2038 à 3h14min7, les ordinateurs, smartphones et même internet vont totalement arrêter de fonctionner et s'autodétruire. Regardez! Savez-vous que le 19 janvier 2038 à 3h14min7, les ordinateurs, smartphones et même internet vont totalement arrêter de fonctionner et s'autodétruire? Bon, je suis un peu alarmiste, ça risque juste de bugger pas mal, mais quand même, pourquoi à cette date et à cette seconde précise? Le monde informatique fonctionne avec ce qu'on appelle le timestamp, qui est une valeur qui s'implémente de 1 à chaque seconde pour savoir le temps exact. Le truc, c'est que ça fonctionne sur 32 bits en base binaire, et donc il y a une limite de 2 147 483 847 secondes, une fois que tous les bits sont sur 1 en gros. Et ce nombre de secondes converti en années, ça donne la date qu'on a vue au début, et à partir de là, impossible d'aller plus loin, et tous les bits vont retourner à zéro. Faut pas me chercher, je suis prête à me battre. Ce qui va donc se passer, c'est qu'arrivé à cette date, la plupart des objets fonctionnant avec ce système, qui est la très grande majorité, vont se croire ouvert l'écran de sûreté, va monter. Ils vont donc vraiment pas comprendre ce qui se passe, et va pas mal faire bugger le tout. Quand ce système a été créé dans les années 1970, ils se sont dit, voire, au pire, c'est pas grave, c'est dans longtemps, on n'a pas à s'en soucier. Et maintenant, on approche de la date fatidique. Ouais, y'a pas à dire, y en a des bugs débiles quand même, hein. Je vous présente votre champion. Regardez le bord. C'est moi le leader de saut aujourd'hui. Regardez le bord, ok? Et regardez ce qu'il a, ok? J'ai un bon pressentiment sur cette zone. Il y a ça. Et regardez ce que j'ai. Allez, parce que vraiment parce que c'est mon pote, je montre ça. Mais non, fais ce que tu veux. On y va, tenez-vous prêts. À couvert, grenade. Première victime. J'ai une marre d'école.
prend toujours l'ascendant. J'ai tout ce dont tu as besoin. Méfiez-vous de moi. Je suis féroce. Voici votre champion. Je verserai le sang en l'honneur du faiseur d'orage. Tada ! Regarde, un sac à dos Fortnite. Essayez toujours, ça fera aucune différence. Atterrissons ici. Une fois champion, ils connaîtront tous mon nom. Gibraltar. T'adore faire ça ! Viens que toi. C'est le dernier. Beau travail. Énorme. Il y a un bouclier évolutif ici. Niveau 2. Je recharge. Chargement des boucliers. Double feu. Une seconde, je me soigne. Je recharge mes boucliers. I'm stuck on a box. I'm stuck. I got him. Can you help? I need to put out everything. That's my loot. I don't have my Eva.
I got one. Bro, shut up. Sometime, bro. I'm trying to play, bro. I can... You get shit on. Yeah, good shit. I don't have... Guys, up this. C'est ce que je fais, vous pouvez me croire. Certaines personnes sont destinées à s'élever au-dessus de la mêlée. On est dans le même bateau, n'oubliez pas. Je vous présente votre champion. J'aimerais qu'on puisse refaire ça demain, mais vous allez tous mourir. On pourrait atterrir par ici. Il paraît qu'on est tourné très bien. This... Ok, allez, MOBA. It's something. Qui parle de tuer? Je fais que vous débranchez. Nous verrons bien atterrir dans ce secteur. Avec Fuck, I miss every game that's bone. I'm missing. I'm sorry. I'm not gonna do it again. Manche 1, début du compte à rebours de la...
contact établi avec la cible. Ennemi repéré. Faut que je recharge mes boucliers. Je me soigne. Ah non, on n'est pas bien loin. Secondes avant fermeture. Adieu, champion. Je me téléporte. Je recharge mes boucliers. Je recharge mes boucliers. Téléportation. I'm led by the yeah. R301 par ici. Combien tu gagnes? Combien tu gagnes?
Oh mais bon. Mais ça a fait un buzz de ouf. Hein. Bon, ça y est, Big Flo a dit la vérité. Il a dit que tout simplement, le fait qu'il menace les gens de ban sur Twitch, bah, c'était du fake d'un personnage. C'était mon 15e live et du coup, on avait l'habitude avec les viewers et tout de faire des blagues. Et si tu veux, j'avais un personnage du banner fou où je bannais les gens pour tout et n'importe quoi. Et du coup, je clashais. Effectivement, il y avait des insultes aussi et tout. C'était évidemment, des blagues quoi, tu vois. Et une fois par exemple, et ça évidemment ils l'ont pas mis dans le montage parce que ça aurait été évident, du coup quand je fais ça tu comprends de suite que c'est du second degré. Ouais, effectivement, mais quand tu fais juste, effectivement la compile elle est d'une violence quand tu mets tous les trucs fils de pute et tout à d'affilée. Mais bien sûr que je gagnais de bravo d'argent pas... de pute. Et bah dis donc. T'es chaud. Today I pretended to be in the hospital to get my... Combien tu gagnes? Combien? Je gagne énormément. Mais ça a fait un buzz de ouf hein. Bon ça y est. Today I pretended to be in the hospital to get my celebrity crush to notice me. And here's how I did it. First I was editing my name onto a hospital band and one of the rows said sex. So I said yes, winky daisy. And then I walked over to my printer that I haven't used in years and I thought it was gonna light on fire. And somehow that old mama worked and it printed out my band. So I cut it out, put it on my wrist. One more. Gagné. And then I tore my Gagné bed encore. Apart and I ripped the bed sheet off my bed to wear as a little hospital robe. Then once I had that, I pulled my bed off and dragged it over Je to the blank wall. Then I made my room look like a hospital by taking hospital signage, and then I laid down in my hospital bed and I made the finishing touches with a phone charger, and then I put some headphones in my nose to really pull it all together. Then I finally took my Snapchat and I added a black and white filter to be all dramatic, and I made the caption, "Damn, Dad, wish I had a big booty to give me CPR," and I sent it to her. Then I ripped all the cords out and the bracelet too, and I put my shirt back on, and I was waiting around when she finally replied, and when I opened it, she said, "C'est moi le leader de show aujourd'hui." Avec moi pour le saut, allez. Ce bon vieux mirage, fidèle au poste. Je suis pas le meilleur de ce monde. Il faut que je recharge mes boucliers. Je suis à terre. Finally got good teammate. Finally dying. Finally got good teammate. Fine. Je vous présente votre champion. Regardez-moi bien, c'est le prix à payer. Tu feras bien mieux la prochaine fois. Peut-être. Je pense qu'on pourrait se poser là. Faut faire un choix, intéressant ici.
que pour un. Get fucking ripped. Ok, ce sera tout. Show me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. Préparez-vous pour la bataille. Period. All right. Now hit N. It's gonna pop up the air to get rid of the air. You're gonna hit rat.
Rad? Yep. Oh! Now swipe up to unlock. Ah! Hey, Josh. Tu sais, la science n'est pas vraiment une science exacte. Belle journée pour tromper la mort. Avec des yeux dans le ciel, il n'a rien à craindre. Voici votre champion. Tu sais à quoi je ressemble. Viens me trouver. Leader de saut. Tout ce qui monte, redescend. Les enfants. Et ensuite, bien sûr, soit vous êtes avec moi et on gagne, soit vous êtes contre moi et je gagne. Voici votre champion. Comment dire ? J'adore ce job. Mais vous pouvez m'appeler Bloodhound.
apesanteur. Bon, on ne résout pas les mystères de l'univers sans casser des œufs. Charge mes boucliers. Sur le bras, mes chéris. Attention, les amis. On a un nouveau leader de frag. Je recharge. Là où on va, on n'a pas besoin de ceinture. C'est parti pour un peu d'action. Y'a rien de tel que d'attendre. Non, je déconne, ça craint. Je vous présente votre champion. C'est une belle journée pour se battre.
frag. Qui eut cru qu'un... I'm not gonna go on duos. Duos really fucking... Hmm.